Benjamin et Julien Gaïf. Donc c'est l'histoire d'un garçon un peu de campagne qui dans, avec des, ses amis, sa petite copine, enfin, ils sont un petit peu modèle, il fume de temps en temps, enfin, il n'est pas méchant, mais on peut quand même se rebeller, on va dire. Et puis à un moment, il y a un banlieusard de Montreuil qui vient, qui chamboule toute sa vie, il pique sa copine, il l'entraîne à voler. Donc en soi, l'histoire, c'est un peu pas très original, c'est un peu beaucoup même cliché. Je sais pas, le gars de banlieue qui fout le souk dans une petite ville tranquille, c'est pas non plus super rien. Donc c'est pas une super bonne histoire, super originale, qu'il faut absolument acheter. Ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas. Il y a des ventes d'agile. Après peut-être que mon avis c'est aussi parce que ça critique aussi les gens de Montreuil et c'est un peu la ville dans laquelle je chronique. Mais bon, il est vraiment pas bien, quoi, faut pas l'acheter.